Alors ici, je vais vous montrer comment on écrit un script sur EduPython. Donc la feuille qui nous intéresse ici de TP est celle-ci. Et on nous demande de recopier un premier script dans l'éditeur qui est celui-ci, donc le script de programme. Donc d'abord, il va falloir aller ouvrir EduPython sur vos ordinateurs. Et je vais séparer mon écran en deux pour qu'on puisse avoir le texte à écrire et également EduPython. Alors moi j'ai choisi comme fond d'écran blanc. Donc comment on fait pour cela? On va dans Options de l'éditeur, on choisit Color Theme. Et dans Color Theme, normalement vous êtes peut-être vous en noir, en fond noir. On choisit par défaut, Appliquer le thème et OK. Et là normalement donc on est en blanc. Alors ce qu'on me demande d'écrire donc c'est celui-ci. Et ça c'est l'éditeur. Et ce que vous avez en dessous, c'est ce qu'on appelle la console, donc ce qui est en bas de l'écran ici. Et moi, je remonte sur l'éditeur et je vais taper dev programme nombre. Donc nombre étant ma variable ici, j'oublie pas le deux points pour le alors. On fait attention ici au fait qu'on a un décalage qui s'opère et que c'est tout à fait normal. Le résultat, je l'appelle résultat 2. Alors, en Python, il va falloir écrire le multiplier à chaque fois. Donc 2 fois nombre plus 7. Donc ça, c'est notre programme. Vous n'avez pas trop à y réfléchir. Pour l'instant, vous ne faites que l'écrire. Donc dans la console, nous avons 4... pardon. Dans l'éditeur, nous avons donc tapé ce programme. Alors maintenant, dans la console, donc en bas, on va aller taper programme 10. Je me suis trompée. Programme 10. Et là, on m'indique que j'ai une erreur. Alors, à quoi est-ce dû? Ligne 1, j'ai une erreur. Alors, pour moi, je n'en ai pas d'erreur. Alors, qu'est-ce que j'ai modifié ici pour que mon programme finalement fonctionne sans que j'aie à changer mon script? Ça, c'est quelque chose qui est classique, dont je parle dans la page 2, et qui peut vous arriver donc à tout moment, à chaque fois que vous écrivez un nouveau programme. J'ai oublié de faire quelque chose ici, que je vous rappelle en fait plus bas. Écrire cette fonction dans la console EduPython, là c'est ce que j'ai fait, puis cliquer sur cette flèche. Et là, je n'ai pas cliqué sur cette flèche. En fait, cette flèche, elle va permettre de réinitialiser. Donc là, on vous marque, le processus est réinitialisé, c'est-à-dire que vous allez donc pouvoir écrire programme 10. Et donc, comme résultat, vous voyez apparaître 27. Donc, je suis ici, dans ma feuille de TP. Que représente ce résultat? Eh bien, c'est le résultat lorsqu'on applique le programme de calcul à 10. C'est-à-dire qu'on a 2 multiplié à 10 plus 7. Et ça nous donne bien 27. Que doit-on écrire maintenant dans cette console pour tester le programme avec le nombre 15? Ben, nous avons testé le programme avec le nombre 10. Nous allons maintenant le tester avec 15. 37. Donc c'est le résultat qui est attendu ici. Et écrire votre texte. Ta, 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 ta. Donc, que doit-on écrire? Programme 15 plutôt. Et donc en dessous, c'est le résultat qu'on a trouvé, 37. Et voilà donc pour une première présentation de Python et d'un script qui est écrit dans EduPython. Merci d'avoir écouté et cette vidéo est terminée.